Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon troisième coup de gueule qui est cette fois-ci un petit peu spécial, puisqu'aujourd'hui je vais parler entre autres de SFR. Alors pour ceux qui sont abonnés chez SFR comme moi, vous avez sûrement remarqué qu'il est depuis à peu près 2 jours aujourd'hui impossible, quasiment impossible de regarder des vidéos et uniquement sur YouTube. Sur Dailymotion, il n'y a pas de souci par exemple. Alors pourquoi? Ben en gros c'est ce qu'ils appellent des tuyaux, c'est en gros par là où passent les informations entre les sites internet et les FAI, fournisseurs d'accès internet, et SFR doit payer, donc je vous raconte en gros l'histoire, hein. SFR doit payer pour agrandir ce tuyau. Et c'est en cours, franchement, je me suis pas informé là-dessus. Je sais pas quand ça va être réglé. En tout cas, toujours est-il qu'il y a une solution existe, pas très propre à mon goût, mais bon, on n'a pas le choix. Il suffit de passer par un proxy pour pouvoir voir des vidéos sur YouTube. Ce proxy s'appelle Prox Free. Je crois, je vous mettrai le lien dans la description. Au moins, vous pourrez continuer à regarder des vidéos sur YouTube. Alors, je sais pas trop, mais je crois aussi que ça peut toucher d'autres fournisseurs d'accès. Donc, toujours est-il que, quel que soit le fournisseur d'accès, ça marche, ce proxy. Un proxy, pour ceux qui veulent savoir, c'est un serveur qui est... Enfin, si vous voulez, en gros, notre ordinateur est relié à Internet et au site. Et bien là, ça passe par un serveur. Ce serveur lui capte, qui n'est pas passé en France, donc pas chez SFR, capte la vidéo YouTube, puis après nous la retransmet directement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo coup de gueule. Coup de gueule à SFR, parce que ça fait vraiment 3 jours. Et sachant qu'on paye quand même pour avoir internet, je trouve ça un peu lamentable qu'on ne puisse pas regarder de vidéos sur YouTube. Voilà, on se dit donc à la prochaine pour d'autres vidéos, coups de gueule et autres gameplays sur Minecraft par exemple. Allez, salut tous!